Merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. Tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. L'Emirates Stadium, c'est un véritable symbole de la nouvelle ère d'Arsenal. Et coup d'envoi de ce match. Il accélère et il déborde. Elle continue sa course. Long ballon dans le sens du jeu. L'arbitre siffle une faute. Il va provoquer. Il cherche son coéquipier. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Quelle intervention de David Luiz. Dans la profondeur. Bellerin et la tête. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. La passe est précise. Il tente de la jouer dans l'espace. Hors jeu, apparemment. Dégagement du gardien. Ce sera une touche. Il joue sur sa gauche. Oui, touche. Torreira. Il décide d'allonger le jeu. Il joue en retrait. Magnifique, ça passe. Et ce ballon vers ses attaquants. Il reçoit le ballon. Un centre. Attention là. Là, il peut centrer. Un centre encore. Oh, la frappe! Va-t-il en profiter? Il joue long. Bonne interception, il y avait danger. Je n'ai pas compté les centres d'Arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la suite... La frappe ! Il marque ! Et ils sont de retour dans cette rencontre. Quelle intelligence dans la finition ! Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé, on va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. La bonne passe. Bonne intervention, c'est récupéré. Et c'est directement récupéré. Et ils vont effectuer cette touche. Willian. Et récupération au sens livré. Oui, là, il y avait clairement faute. Et le centre.
On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout, rien n'est joué. C'est donc le moment de souffler un peu et de préparer la seconde période. On rappelle le score, 1 partout. On est reparti, espérons qu'il fasse la différence dans cette seconde période. C'est bien fait. Aubameyang. Premier corner dans cette rencontre. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Maitland-Niles qui cherche une solution. Willian, quelle frappe! Et la barre qui tremble, il s'en sort bien. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Oh, c'est pas possible, c'est hors de la barre. Il allonge vers l'avant. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Torreira. Coup franc pour Arsenal. Pour Maitland-Niles. Ça sent la frappe. C'est osé. Le bon ballon. Oh, le bon ballon. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Maitland-Niles, Arsenal qui peut avancer, allez, un ballon dégagé très loin, peut-être une occasion pour Willian, il ne résiste pas au contact. Ah non, dommage, les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Un long ballon vers l'avant, la longue passe, il peut en profiter. Il est bien placé. C'est joué dans l'espace. Bien servi. Oui, il y avait bien faute. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. C'est joué long. S'il le trouve, il était bien présent. Oh, l'occasion. Ça joue long, vers l'avant. Oh, la casette. Bonne intervention. L'arbitre siffle, le match est terminé. Ils se sont neutralisés, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Alors dites-moi.